Yo tout le monde, c'est Tiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Rome de Total War dans lequel nous incarnons le royaume des Odrysts, nouvellement la confédération d'Asiotrace. Alors. On est sur les derniers épisodes là, non, les derniers épisodes. Les derniers épisodes. Ouais, c'est ça. On a un dernier soubresaut de la part des minéens. Cappadoce? Oh, Cappadoce. Ah bah attends, je vais pas me faire prier pour aller vous défoncer, les gars. Ah ouais, un vrai dernier soubresaut de la part des minéens. Les petits saligots, là, je pensais pas. Bon, alors après, par contre, prendre Petra comme ça, les gars. Prendre Petra nature comme ça. À part si je fais de la merde, ça devrait être compliqué. Oh, un joli lac. On a beaucoup d'unités à distance. Que ça presque. Quelques unités là, pas terribles de lanciers là. Ok. Ah ok, ouais, c'est cette carte là. C'est pas mal, en plus c'est dégagé. Alors la question, est-ce que je prends des onagres? Il n'y a pas de... Ici, on tient plus de tirs par minute, un peu plus de dégâts, moins de portée sur les onagres. La précision. On n'a pas d'infos sur la précision, c'est dommage. Bien grave. Ok. Je pense qu'on est un pouilla trop nombreux pour se mettre, je suppose. Ça déborde un peu sur les bords. Légèrement. Allez les gars, vous allez faire trempette. Ah vache, ouais, c'est sacré trempette mine de rien. Hein. Faites attention à pas rouiller. Ouais, la cavalerie. J'allais leur dire, limite, on peut les faire sortir, mais c'est un peu loin. Cavalerie, si, bon, de toute façon, ils auront pas grand-chose d'autre à faire. Hop, et les unités à distance, quoi, planquer. Comme ça. Voire même un peu plus loin. Voire même ici. Allez. Ouais, j'étais en train de réfléchir. Donc ma cavalerie, je vais leur dire, allez vous placer genre là. Bon, évidemment, ils veulent sortir par là. Et non, c'est pas drôle. À moins qu'il y ait un passage que je n'ai pas vu, mais il ne me semble pas. Alors, précision, ça donne quoi? Ça donne qu'on est un peu loin là quand même. Vraiment. On va attendre un peu. On va s'avancer. Pardon. Et surtout, on va rester planqué. Bon, ils ont un peu avancé, ça devrait être mieux là. J'ai pas l'impression. C'est moins mal, mais... Ah, j'arrive pas à viser là, je sais pas pourquoi. Ok. Une petite dernière. Ouais, j'ai loupé. Terrible. C'est pas la dernière? Merde.
J'ai l'impression qu'en recharge, ils sont vachement plus longs. J'ai compte 5e. Hein? Petit souci, nous avons. C'est que eux arrivés au corps à corps, ils vont. Surtout si je dois en mettre 7. Là, on est à 2 sur. On est à 3 sur 7 là. 4, 5, 6, 7. Alors, on va mettre pause et là, va dire aux deux de tirer ici. Là, j'ai un petit souci. D'accord, ok. On va demander des renforts là. Je vais dire de se barrer, je vais leur dire de se barrer. C'est quand ils veulent, voilà. Absolument qu'il va falloir que je casse ça. Ça devrait pas tenir trop longtemps. Ok, là on va les avoir. On devrait casser ça indépendamment de la précision des tirs. Ok, c'est bon. Ça, on va pas se faire prier pour. Oh, ça les a pas touchés. Bon là ça a donné. Donné qu'on les a bien. Voilà. Il y en a deux qui sont encore de munitions. Très bien. Bon, on va aller. On va ramener des troupes fraîches. Enfin, des troupes qui ont des munitions surtout. Oh tiens. Ils ont presque plus de munitions eux non plus. Oh. Oh. J'ai fait un airball. Super, dommage que je sois pas au tennis. Que je sois pas au. Que je joue pas au basket. Oh là là, terrible. J'en ai eu 3 derrière là. Bon, la porte, elle est comment? Ça va, tiens. Ils n'ont plus de munitions, eux. Bon, bah derrière. Allez pas vous prendre des tirs pour rien. Qu'est-ce qu'ils foutent là, sérieux? Bon, les défendeurs, faut que j'économise mes munitions. Ouais. Hop, on arrête le feu à monter, là ils vont tomber tout seuls.
Enfin, ce tour à flèche. Enfin, tour à scorpion, pardon. Tour à scorpion, on voit, elles font beaucoup plus de dégâts que les petites tours à flèche de début de partie. Hein. Un tir, c'est un en moins, minimum. On va dire en moyenne. Allez. Faites feu, les gars. Ça devrait suffire. C'est encore 35 là? Oh, ils sont éjectés quand même sacrément loin, les pauvres. Voilà. Ils sont 52. Dès qu'il y a les premiers qui arrivent dessus, ça devrait piquer un peu. Enfin, s'ils veulent bien. Voilà. Hop. Une belle salve. Hop, et là dès qu'ils seront groupés, on va monter les gars. On est dans l'économie de nos munitions. Oh, de la cavalerie. Enfin, des chameaux. Ouais, les tours à scorpion, par contre, sur les chameaux, ça rigole pas. Hein. Sur cavalerie, chameau, ça rigole zéro. Hein. Ça fait très mal. Ok, suivant. C'est quoi ça? Tribu. Hein. Pas bien grave. La porte est un petit peu en train de cramer là. Allez, cavalerie. Double cavalerie. Voilà, les scorpions, ils sont plaisir à Zanta. Double unité de cavalerie là. Hop, eux, ils ont bientôt plus de munitions. Ouais, ils ont plus de munitions. Ouais, mais en feu à volonté, eux. Tcha 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 tcha. Et ça leur a un peu piqué. Hein. Par contre, je vais les replacer. Sérieux, ils sont pas bien placés là. Ça commence à être un peu la débandade. Hein. Hop, ma cavalerie, on sait à quoi elle va servir. Elle va aller servir à aller chercher les unités fuyardes. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il fout de là? On va demander d'aller là, c'est bizarre. Hop. Ça lui fera moins d'unités. On va pas les reconstituer. Bien joué la cavalerie, vous faites tout ce qu'il faut. Voilà. Bon, je t'ai donné perdant, c'est... Pas, hein. Que
Merci d'être passé, merci. Vous êtes heureux de vous être réglé vous-même votre compte. J'ai envie de dire. Ça va. Je me méfie de ces factions là. Je vais garder deux armées au sud. Ça m'arrange pas, mais j'ai pas non plus spécialement le choix. Ah, les Colchides! Bah alors, ça farte les gars? Et les Cappadoces. Ouais, c'est voilà, eux ils ont plus que ça. Hein. Donc les Cappadoces, tour prochain, ils essaient de reprendre des possessions. Hop. Avec son trapézos. Très bien. Ouais, ouf. La direction Samosat. Attends, il s'appelle comment lui? Non, je pense avoir mal lu. Je pense avoir lu fondateur. Ok, direction Atra. C'est ce qu'on s'appelle. C'est ce qui s'appelle conquérir. Non mais si on regarde la carte en vrai, elle est pas mal cette carte, hein. Il reste tout ça là encore, petit morceau là, on a un allié mine de rien, enfin quelques petits alliés de-ci de-là, sinon c'est plutôt propre, hein. Moi j'aime bien. Hop. Vérifier quelques petits. Voilà. On a tout ça, là, on peut fabriquer des choses. On peut construire des jolis bâtiments. Ouais, ce sera pour les tours d'après. Un petit manque de fond là. Ok. Juste se méfier un peu des parts. Est-ce que ça avance ça? 33. Non, ça avance pas des masses. Et 31, 31, 31, 33, 33, 33. Ça devrait augmenter. Petit à petit. Faut juste pas être pressé. Donc les Colchides. Je vous ai bien fait mal là. Comment allez-vous répondre? Ah oui. Ok, on a une loyauté positive partout. Les Colchides. On va chercher lui avant qu'il nous embête. On va chercher lui également. Un plus de Cappadoce, génial. Hop. On va chercher, touche pas. On avance, on continue notre avancée. Hein. On va pas s'arrêter en si bon chemin, faut pas déconner non plus. Y a du monde. Pas mal d'embuscades là. Ah, je vois la Bactrie. Qui est pas très loin. Voilà. Ils ont fui deux fois.
Ouais, direction Charax, j'en ai pour pas mal de tours, mine de rien. Là, on domine toute la Méditerranée. Toute? Non! Enfin, oui, la Méditerranée. Petite partie de la mer Noire, là, qui est pas à nous. Il y a deux colonies qui sont pas à nous sur la mer Noire, de tout, quoi. Ouais, tout le reste. Génial. C'est venu le temps d'augmenter nos profits. Ouais, de dépenser de l'argent. C'est venu le temps de dépenser de l'argent. J'ai pas l'impression de gagner plus que ça de l'argent d'ailleurs. J'ai conquis beaucoup, mais j'ai pas l'impression de gagner beaucoup non plus. C'est bizarre. Peut-être que ma corruption augmente au final. Je sais pas. Si je regarde, bon, elle doit être énorme, mais. Comment je peux être à 100% de corruption? Oh merde! Plus 103% de corruption, mais ça n'a pas de sens. Il y a des technologies civiles à faire qui réduisent ça. Ah, moins 10% de corruption dans vos provinces. Ah ouais. Ah, ça peut être pas mal ça. Hein. Et après, j'en ai un autre. Non, parce que là, 103%, ça fait beaucoup quoi. Enfin, c'est. Alors je sais que je crois que le rang des généraux là-dedans, ça peut diminuer la corruption, un truc comme ça. Je me demande s'il n'y a pas un truc comme ça, je sais plus. Je sais qu'il y a des moyens, il y a des méthodes que je n'applique pas souvent parce que bah, tout simplement j'ai pas le pognon pour les appliquer. En fait, la corruption te fait baisser ton pognon, et le moyen de faire baisser ta corruption, c'est d'avoir du pognon. C'est un peu. Ouais, c'est bizarre. C'est comme ça. En théorie, la fidélité empêche la corruption. Mais bon, ça c'est la théorie. Qu'est-ce qu'il faut que là? Peut-être aller chercher dans le jour. Hein. Attends, je viens de voir faction détruite. Qui ça? Colchide? Non, ce sera pas les Colchides quand même. Oula. Oulala. Par contre, quelques unités de mercenaires. Qu'est-ce que ça se passe? Oh, ça, j'ai quelques pertes, quoi. Il y a pas mal de troupes ennemies et j'ai subi quelques pertes, mais non. Si on pouvait éviter de perdre notre empereur, ce serait cool. Cet bâtiment juste en Égypte. Alors, je disais, faction détruite, Colchide. Ah bah si, bah merde. Ah ouais, on leur a tapé dessus tant que ça. Oh, bah ok. Bon, vous les gars. On sait où est-ce que vous allez. N'essayez pas de. N'essayez pas. Qu'est-ce qu'ils foutent là, deux? Bon d'accord. C'était bizarre. Trente-six provinces, waouh. Faut augmenter comme ça. Mon abaté, ça va, ça farte? Dis quoi de beau? Évidemment, on va pas vous laisser là, en plein dans le désert, les gars. On est accueillants, nous, chez nous.
Bon, je devrais avoir baissé la corruption, apparemment. Ah oui, effectivement, les revenus sont meilleurs là pour 10%. Y a moyen de baisser encore la corruption là? J'ai pas un quelqu'un de. Il y a déjà pas mal de niveaux dans le coin. Je devrais vérifier. Je peux pas renforcer sa promotion. Qu'est-ce que ça donne? Ah non. Plus de taux d'imposition, mais pas moins de corruption. Hein. Il y a un truc, mais je sais plus. J'ai pas. C'est peut-être un agent qui fait baisser la corruption locale. Je ne saurais pas dire. Honnêtement. Si ça se trouve, c'est propre à certaines factions aussi. Hein. Peut-être que je n'ai pas une faction dite civilisée et que. Je me suis trompé. Et que permettre de diminuer la corruption n'est possible qu'aux factions dites civilisées. Je sais pas. Ça avance bien, 36 là. On est bientôt arrivé à Charax. Charax. Je vais quand même pas avoir besoin de continuer mes conquêtes, moi. Je vais finir par une victoire militaire sans le vouloir. Ok, ça c'est bien. Tac, 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 tac. Oh, de la nourriture. Putain, regardez la bouffe qu'on se fait. Hein. Et voilà, presque 700 de bouffe. Ah, c'est bon. Ça devrait suffire là, non? Allez, direction Ecbatané, direction Suse. Non, 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 vous allez partir sur du classique, les gars. Trente-six, toujours. Hop, maison de l'artisan. Oh la vache. Et donc, ça coûte cher. J'en ai encore beaucoup des provinces, hein. Tout ça, dans lesquels je suis pas du tout à jour. Mais bon, plus je gagne, plus je vais pouvoir faire de. Plus je gagne d'argent, plus je vais pouvoir améliorer les bâtiments. Plus je vais pouvoir améliorer les bâtiments, plus je vais pouvoir gagner d'argent. C'est un cercle vertueux, après tout. Ok. Allez, on va le prendre dans l'autre sens pour changer. Non, 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 non. Hop, là on est quoi? Ok. Je vérifie aussi que ce soit notre culture qui soit la culture dominante, c'est parfait. Dis donc, ça risque de me coûter cher ici. Hein. Oui. Me coûte cher en Éthiopie. Les bâtiments que je fais sont pas donnés. Hein. Alors là, normalement, on doit arriver à plein d'endroits différents. Laissons les battre en retraite.
On arrive pas loin également des... La batterie. Ça c'est moins sympa mais bon. Hop, allez, prends un chemin pour Gore. Attends. Si je prends Persepolis, j'ai la victoire militaire là. Ah, peut-être pas, peut-être que j'ai manqué de troupes. Ou d'un type de troupe, un type d'unité précise. Il me manque... 38 colonies. Il me manque 12 unités. Bon. On va recruter des mercenaires et on aura gagné. Hein. Alors s'il y a assez de mercenaires dans le coin. Oh la vache, ils ont fui. Ils ont fui loin. On évite tout possible problème. On va faire le tour de nos troupes et on va voir. Et qui manque des unités qui sont pas complets. Impeccable ici, 3. Oh merde. Ah oui, là. Ah, j'ai deux fois les héros de la mort. J'ai les pilleurs, j'ai les pillards. J'avais pas vu ça. Pilleurs et pillards. Ah, ça, c'est gratuit. Oh. Ça devrait être bon, là, niveau conditions de victoire. 248. Bon bah je crois que c'est GG. Je crois que c'est gagné. C'est pas le type de victoire que je voulais, mais bon, ça mettait beaucoup de temps. Pourtant, c'est pas faux d'avoir pris des terres, mais bon. Voilà. Ça risque de laisser une trace. Bah, bah, le succès, le nom du succès. Ça risque de laisser une trace. Légère. Toute petite. Ah voilà! C'est une belle victoire! Elle aurait été longue en vrai, hein, cette campagne. Le début, il me semble, a été assez compliqué, assez long à se mettre en place. Mais bon, notre chemin a été tout tracé. Ah, 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 ah. Ah, face. Ah, désolé, j'étais obligé de la faire celle-là. Allez. Alors, je vais juste regarder un petit peu de stats. N'hésitez pas à mettre pause quand ça vous intéresse. Alors, on va voir. Bâtiment construit 1312. Rien que ça. C'est pas mal. Revenu totaux. Ouais, bon, on est pas trop mal hein, dans les 7 millions. Revenu des taxes 5 millions. Corruption. Il n'y a pas un truc de corruption hein? Non, dommage. Unité recrutée, 339. Unité détruite, 3137. Ah oui! Non mais rien que ça, ouais. Captif de bataille réduit en esclavage, 20 000. Captif de clage exécuté, 6007. Captif de bataille relâché, 37 000. Franchement, hey, je suis indulgent, non? Bon, la vache. Colonie mise à sac, 44. Érasé, 28. Ouais, mais j'étais obligé, ça. Là, j'étais obligé. Bon, bah moi je vous remercie d'avoir suivi cette série, j'espère qu'elle vous aura plu, une belle conquête. Il y a beaucoup de territoires qui sont à nous mine de rien. Et je vous propose de me retrouver très bientôt pour la prochaine série, je ne sais pas encore avec qui, ce sera la surprise. Allez, c'était Thiob, ciao.